Ouais, je vous avais bien quoi les mecs, tranquille, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlocal. Oui, j'ai décidé de mettre un petit truc comme ça, mais c'est parce que cette journée est également dédiée à quelque chose que mon peuple, voilà, m'a rendu fier quand j'ai vu ce matin. Nous sommes le mercredi 19, ouverture des terrasses et des cinémas. J'ai vu des bonhommes faire la queue à 6h du matin pour aller voir un film, d'autres à 8h pour aller boire une bière. C'est la France qu'on aime, donc franchement, là, je me mets un petit peu sur mon 31, parce que nous, aujourd'hui, on va... Ah, le roi Merlin, mon con. On va à le roi Merlin parce que du coup, on a des achats à faire pour le local, tu vois, parce qu'il y a des travaux à faire au-dessus. L'abonné qui va nous aider nous a fait une liste assez longue. Franchement, pour être honnête, il y a pas mal de choses à acheter histoire de bien retaper, mais de toute façon, vous aviez vu l'ampleur des travaux. Donc, on va retrouver Victor et Thomas. Victor, c'est le gars qui nous ramène, c'est un frérot à moi. Et je suis en retard. Je t'ai attendu pour 10h30. Il est 10h25. Allez, vite, on va prendre la trottinette. Let's go. Bonjour, madame. Je vais vous prendre 3 pains au chocolat, s'il vous plaît. Ça sera tout, ouais. Par carte, s'il vous plaît. Ah merde, j'habite juste à côté, j'ai oublié mon portefeuille, j'arrive. La place du puni. Oh Thomas, tu veux pas y aller? C'est bon, t'as réussi? T'es bien là? J'ai envie de te défoncer, tu sais quoi? Pourquoi? Bah ton message pour me dire comme quoi, ouais, j'ai oublié mon portefeuille, j'ai envie de défoncer. J'ai oublié mon portefeuille, donc j'ai pas pu les rejoindre, ils ont dû venir me chercher. Je suis bien là hein. Non mais gros, vraiment je suis puni gros. Bon, go le roi Merlin. Regardez la réouverture des terrasses qui régale. Le temps de mai, on va t'attraper toi un jour. Donc on est arrivé à le roi Merlin et au menu des achats aujourd'hui les amis, nous avons des rails, nous avons des montants, nous avons du plâtre, nous avons des chevilles, nous avons des plaques de plâtre également. Il y a de la peinture, du mortier adhésif, donc tu comprends, on a une liste grosse comme le bras. Donc ça risque de coûter cher mais c'est pour la bonne cause. Première étape, hop là. La peinture c'est fait, ça avec, pour te repeindre la gueule. C'est ci du coup? Ouais, c'est bon. Allez, généreux dans l'effort Thomas. Oh là 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 là, what a strong man. Du coup on a ça, pour 15 plaques de plâtre. Là on arrive sur les montants. Et on est dans une petite problématique les amis. C'est qu'on veut des rails de 48-28. Il n'y a que du 48-35. Donc on s'est concrètement dit d'aller se faire foutre. Mais ce n'est pas tout. On veut également des montants de 48-35. Mais qui font 2m49, pas 3. Et il n'y en a plus. Donc on nous a dit d'aller se faire foutre. Mais ce n'est pas tout. Parce que sinon ce serait pas drôle. Il faut également des plaques de plâtre, tu vois, particulières, etc. Et notamment, par exemple, une plaque de plâtre verte, comme ça. Il en a plus. On nous a dit d'aller se faire foutre. C'est le terme exact? Ouais. Allez vous faire foutre. Ouais, je lui ai dit, est-ce que t'es une plaque de plâtre verte? Il m'a dit, baisse ta mère. Bon, c'est pas besoin d'aller dans de la vulgarité. Le plus gros, allez vous faire foutre qu'on a eu, c'est pas ça. Le plus gros, allez vous faire foutre, c'est ça. Les dalles de plancher. Là, il m'a pas dit, on n'a pas. Il m'a dit, c'est rupture de stock national. C'est-à-dire qu'en France, genre, c'est la galère. Et apparemment, si vous êtes des mecs qui faites de la construction, vous devriez être habitué à ce que ce soit le cas. Et je crois qu'en ce moment, vous savez, c'est à cause de qui? À cause de la Chine. Apparemment, ils construisent vraiment beaucoup. Donc on est dans la merde. En tout cas, on continue les achats. On prend tout ce qu'on peut. Puis on verra ce qui manque. On a 10 jours. 10 jours pour le faire. Hop là. Hop là. C'est de la bande à joint? Ouais, c'est ça, c'est ça. Putain, mais Thomas, tant de muscles dans ce corps. C'est de la bande orga. Non, mais tu vas arrêter avec bande orga, toi, c'est bon. Hein. C'est lourd ou pas? C'est 2 tonnes donc. Combien de temps que t'as pas fait de sport déjà? Faut de la bande armée? Ouais, de la bande armée. Et de la bande organisée ou pas? Non. 150 ml, c'est pas millilitres? Non, enfin, je rigole. Ça te fait rire ça, hein? Putain, t'as de bande armée. Hop, on va mettre ça. Et la bande armée? Mais c'est bien. C'est ça? Non, tu dis bande organisée, je te jure, je te tabasse. Allez, hop là. C'est bien prophète. Ouais, c'est bien. Bilan des achats. Multiprise, des trucs de peinture, des clous, tout ce qui a été demandé, la bande armée. Il y a du plâtre, de l'enduit, de la peinture. Il y a un cognot ici. Mais malheureusement, il nous manque les plus gros trucs. Mais après, il y a quand même 15 plaques de plâtre. On a récupéré le papier. Ouais, il est là, le bulletin de vente. Une bonne partie des achats ont été faits. On les achète, on essaye de voir où est-ce qu'on pourrait peut-être éventuellement aller prendre ce qui manque. Ensuite, on va poser tout ça au local. Et après, on va en terrasse. On est positif. N'écoutez pas, n'entourez-vous pas de mecs qui respirent la négativité. Il me faudrait, s'il vous plaît, si vous avez des rails
de 48-28 mm. Ils en ont plus en stock ici et c'est marqué ce produit n'est pas vendu en ligne, donc comme ça au moins. Vous en avez plus de 500 en stock, des 48-28 de longueur 3 mètres. Très bien, bah c'est super. Une autre question, parce que du coup j'en profite vu que vous avez au téléphone. Des montants 48-35 de longueur 2 mètres 49. Vous en avez 2700, mais c'est la caverne d'Alibaba, c'est super. Donc tout ce qui manque là, elle l'a. Et en gros elle me dit, je vais vérifier, je vais appeler mon conseiller parce qu'elle a dit c'est chelou que ce genre de truc qu'on vend fois 1000, ben là où vous êtes... Le mec il voulait pas nous répondre en fait. Non, le mec il voulait pas nous répondre. Le mec il a pas envie de nous donner son truc. Ah, frère... Vraiment on est détestés ici. Ils ont vu un arabe d'un mètre 90, vous avez des montants? Ils ont dit non, on n'a pas les montants. Les fameuses plaques à foutre sur le toit de... Galère. Ça avance. C'est ça qui me fait peur, moi. Qu'on ait les 15 plaques qui tombent là, ça me terrifie. En vrai, normalement, si je fais pas des freinages trop brusques, ça peut pas arriver. Hein. Ouais, non, mais surtout, moi vraiment, c'est triple sanglé, c'est impossible. C'est vrai qu'il était trop confiant. Moi, j'ai. Là, on a 100 kilos sur le toit, gros, bah, ça me fait terrifiant. Non, moi, je pense que t'es une grosse tapette. moi, je pense que c'est légitime d'avoir 100 kilos sur le toit et. Si. C'est triple sanglé, gros, c'est triple avant que ça tombe, il faut y aller quand même. Mais je pense que si ça tombe, ça embarque la voiture. Mais tu veux savoir, le seul moyen que ça tombe, c'est qu'il y a un mec qui vient sur le côté, mais des coups de ciseaux. C'est le seul moyen. Sanglé comme c'est là, c'est pas un virage qui va le faire tomber. Quoi. Moi ça me terrifie. Ouais, je t'ai mis sous pression. Si toi je te sangle comme ça, tu calmes. Premier aller, terminé. Maintenant c'est le deuxième. Casto, let's go. Vas-y, c'est parti. Hein. Allez, Casto. Oui, on est en train de me tracter. Oh, Victor, tu devrais essayer. Hein. Franchement, être un gros sac à merde, c'est trop agréable. C'est bon là, les gars. C'est bon? Franchement, c'est bon, on est pas mal là. Hein. On est bien là. Attends, on est vraiment des trisos. Allez, on va acheter ce qui manque. Vive Casto, fuck le roi Merlin. T'es sûr que ça fait 27 kilos? Non, je crois que c'est pas elle. Ah, le gros. Regarde. Tu vas y arriver, Toto. Non, le centre de gravité, il est plus bas, donc ça va tomber. Mais non. Je l'ai entre les mains, dis donc. Regarde, petit. Hop. Ça va tomber. Bah bien sûr, ça va tomber, gros, il y a pour un débile. Tu sais que cette plaque, elle fait pas 27 kilos. Hein. Mais si, gros, elle fait combien pour toi? 27 kilos. Ouais, bah. Non, mais attends. Je vais annuler la prise de ce local avec toi parce que... Et comme quoi vous êtes absolument partout les mecs, il nous manquait 4 produits. On a chopé les plaques hydrofuges, on a chopé les montants, il nous manque des plaques en bois en 18, et c'est un abonné qui nous a reconnus et qui nous aide. Donc, T'es une merde. Gratuit, c'est gratuit. Parce que je t'ai coupé le doigt, tu m'as énervé. L'autre il tient des trucs, des rasoirs, il tient comme ça, 40 kilos au bout de son doigt sur une articulation. Le moindre truc où ça bouille un petit peu, tu le coupes, hein, c'est normal. Voilà. Bah merci à toi, frérot. T'inquiète. Tu t'appelles comment? Hugo. Un bah, dédicace au frérot Hugo. Merci, mec. Vas-y. Bah, une bonne journée, finis bien, bon courage. C'est une merde. C'est gratuit. Plus qu'à sangler, on sait pas faire, mais plus qu'à sangler. Oui, il nous faut un daron pour sangler maintenant. Allez. Il nous faut un daron. Oh, les vieux. Bon, on fait comment? Totalement pété, putain. Hein? C'est près du but. Ah, c'est un peu pété, quoi. Pourquoi la vie? Oh, la défaite mobile. Oh, le chariot. Oh, le chariot, gros. Oh, la défaite mobile. Du coup, on est par terre là. Quand c'est tombé, gros. Quand c'est tombé en live. Heureusement que c'est pareil sur le périph', hein. Après l'effort. Le réconfort. Le premier verre de l'année. Ça fait très plaisir. Petit jus de fruits pour Zach. Je te range à vous, hein. Quel plaisir.
C'est vidéo locale, franchement. Oh, on est parti à 11h du matin. Il est 18h30. Je me suis blessé. On a dépensé quand même pas mal. Je me suis blessé, grosse entaille. Parmi toutes les choses qu'on a fait dans la journée, vous savez, c'est quoi le pire truc que j'ai eu à faire? Passer une journée avec ce zozio là. Moi, j'ai dépensé Z encore. Il a dépensé zéro, putain. Enjoy, les mecs.